Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et bienvenue sur World of Warcraft pour la suite d'NFR 2 Légion. Ça y est, on est appelé pour la dernière aile, la chute du trompeur. Et j'espère que c'est un nouveau tag. Oui, c'est un nouveau tag. Donc là, on reprend là où on s'est arrêté dans la partie précédente. On entre dans le portail. Ok, parfait, ça a accepté. Et où c'est qu'on va atterrir? Hop, oh! Le néant distordu? Ah! Ok! Le trompeur nous attend! Ok, bonjour! Bon, là! Ici, il risque d'y avoir peut-être des fails. On va voir si le groupe il est bien ou pas. J'espère que ça va aller. Mais en tout cas, on est sur le vaisseau de Kil'jaeden. Et on est justement en train de retourner dans le néant distordu, là. Apparemment, on est dans un tunnel spatio-temporel, là, pour justement traverser d'un endroit à un autre. Et il y a pas mal de gens qui nous attendent, là, avant d'affronter Kil'jaeden. À l'attaque! Chargez! J'espère quand même que... Là où normalement on a Kil'jaeden et Velen qui s'affrontent, j'espère qu'ils vont parler. Normalement ils sont censés parler. Ce serait vraiment pas cool qu'ils parlent pas. Ok, non. Ils ont pas parlé. C'est sérieux là? Oh non. Pourquoi il faut que ça bug maintenant que je vous montre? J'en sais rien du tout. Oh mon dieu. Bon, je vous lirai ça à la fin de la vidéo quand je vous parlerai de tout. Oh bon sang. Bon, là on a affronté des gangres seigneurs, d'ailleurs il y en a encore ici. Des orques gangrénés également, que vous reconnaissez certainement de... Que vous reconnaissez certainement de Warlords. Des démonistes du Conseil des Ombres, justement. Et il y a également des sacres nuits corrompues. Et là, à la fin, nous avons Ixalan le broyeur d'âme. C'est le premier Eredar démoniaque qu'on voit de l'extension. Ensuite, on va sur Argus et on en voit plein. Mais là, c'était le premier modèle qu'on voyait. Ok. Bon ben là, dommage, vu qu'il n'y a pas eu les trucs, tant pis. On monte voir le petit Kil'jaeden. On arrive. Coucou. Voilà, il nous attend. Le trompeur a fait fi de mes talents quand j'étais encore en vie. Ouais. Voyons qui de lui ou de moi survivra à la bataille qui s'annonce. Ok. Hop, bon, Velen il est là, il s'est pris une petite dérouillée, mais ça va aller. Ok, Kil'jaeden, enfin. Là, cette fois, ça va être la lutte finale. On l'avait déjà affronté au Puits du Soleil, à la fin de Burning Crusade. Et là, il est temps de voir si on peut le défoncer cette fois ou pas. Bon, là, le tank apparemment... Ça explique, moi aussi je vais vous expliquer. Il a 4 phases. Il a, ouais, 4 phases on va dire avec... Non, il a 3 phases avec 2 intervalles. La première phase, on l'affronte en mode normal. Il fait tomber des météorites du ciel. Il faut aller dans les zones pour absorber les dégâts, sinon ça fait des dégâts sur tout le groupe. Ensuite, il passe en phase de transition, il s'envole. Il nous fait des techniques qu'il faut éviter ou absorber encore. Ensuite, il redescend, c'est la P2. Il fait il crée des ombres de quelques personnages joueurs et il faut vite défoncer les ombres. Il me semble qu'il faut encore tomber les météorites en LFR. Ensuite, il y a une deuxième phase de transition. On va être dans le noir complet et il va falloir retrouver Illidan pour qu'il nous donne sa vision et qu'on puisse défoncer des adds qui seront dans le noir. Et une fois que tous les adds seront morts,
il faudra défoncer Kil'jaeden, ce sera la phase 3. Et justement, ce sera le moment où on terminera le voyage sur le vaisseau. Et on verra le ciel à ce moment-là, ce qu'on y voit. Mais ce sera la phase finale. Et Kil'jaeden, là, il nous fera des techniques assez lolilol. Il fera des piliers qui peuvent nous repousser et nous faire tomber dans le vide. Parce que oui, on peut tomber là. On peut tomber là. Là-bas également. Dans les réacteurs du vaisseau et tout. Donc, il va falloir faire attention. Il va ouvrir des espèces de failles aussi qui vont nous attirer. Et une grosse technique qu'il faudra se protéger en allant justement près des failles. Après, vous verrez ça vraiment en direct comment ça se passe. Mais en tout cas, là, voilà. On affronte enfin le dernier gros lieutenant de la Légion Ardente, Kil'jaeden, le bras droit de Sargeras. Et là, ce qui est, c'est que justement, Talkiel, il a une dent contre lui. Enfin, il a moins une dent contre lui qu'une dent qu'il avait contre Archimonde. Mais voilà quoi. Kil'jaeden faisait justement partie des dirigeants d'Argus avec lesquels Talkiel il était. Et aussi, normalement, si vous êtes... Chevalier de la Mort spécent, votre arme prodigieuse a aussi une dent... voire même plusieurs contre Kil'jaeden. Ah, ça fonce. Ah, ça fonce, attention. On y va. Go. Votre dernière bataille. C'est la dernière bataille. Est-ce qu'on va pouvoir venger Velen et... Vous attend. Armageddon, c'est les météorites. Hop là, on se place dans les zones. Ah, il y en a une là, attention. Pouf. Aïe, voilà, on a un debuff qui fait des dégâts sur tout le raid. Ça commence bien. Ça, c'est sûr que en normal... Ah, deuxième Armageddon. Ça, en normal, il faut pas laisser passer parce que sinon le raid prend cher. Il faut claquer des CD de groupe pour les heals. Et voilà quoi, si on peut éviter justement de faire claquer des gros CD au heal, voilà quoi. Faut vraiment prendre toutes les zones. Là, il va passer en phase de transition. Vous résistez encore. Je vais vous faire payer votre arme. Hop là. L'oblitération, brûlez-les tous. Hop, donc là il y a des gens qui ont des espèces de zones que il faut qu'il y ait personne à l'intérieur. Ah, oh purée. Ouh, il y a eu deux trucs qui n'ont pas été pris là. Ouh, ça fait bobo. Brûlez-les tous. Voilà, même en LFR, ça peut être impardonnable le fait de pas prendre les zones. Bon après c'est... L'oblitération vous attend. Voilà, vite. On prend tout. Ah, prenez tout les zones. Non, ne sortez pas. Oh, sérieusement, il n'y a personne ici. Je voyais mon familier, mais c'est vrai que je pensais que c'était quelqu'un. J'aurais dû y aller. Là, pour le coup, c'est moi qui ai chié. Ok, voilà. Il revient se poser. Voilà, phase 2. Bon, on a perdu des gens. Il va falloir faire en sorte de pallier le fait qu'il y a des DPS morts. Je sens la corruption. Les reflets, c'est justement les ombres de certains personnages joueurs qui vont arriver et qu'on va devoir défoncer. Hop là. Faut vite les buter parce qu'ils font justement hop des dégâts sur tout le monde. Focus add. Vite. Bon, ça va. Ouais. Ça fait pas trop mal en LFR là, mais faut quand même faire la strat là. Là, on commence justement à être dans des dans les raids de fin d'extension. Donc, hop, ça c'est pour moi. On commence à être dans des raids de fin d'extension là. Donc, au pire, le cauchemar d'Emeraude ainsi que
ainsi que le palais sacre nuit, on peut s'autoriser à faire un peu de la merde, mais là il faut commencer à bien faire les choses parce que sinon ça wipe. Récemment j'ai justement fait un kill Jaeden où il y avait déjà deux stacks Nephalen. Les stacks où justement vous wipez et donc le jeu fait en sorte que vous gagnez des PV et des dégâts supplémentaires infligés pour permettre de tomber le boss. Ah, faut qu'on arrive à 40% là. Il va y avoir dans 26 secondes un reflet. Vite, je sens que ça risque de pas le faire. On va peut-être le recommencer. Oh mon dieu. Allez! Affrontez vos ténèbres. La mort s'abat sur vous. Hop, ça c'est pour moi. Allez choper les autres. Il y a les reflets. Ouais, normalement justement les reflets il faut tous les paquer au même endroit et pas être dispersés. C'est mieux de les défoncer en clive que les défoncer un à un. Ah, à côté de moi, venez vite. Voilà. Ah, encore. Je fais aussi mal que je peux. Ah. Il y a encore à y avoir un Armageddon. Là je peux prendre les deux. T'inquiète poteau. C'est sûr aussi que là si les gens ils sont ici pour ce stuff, ils ont pas beaucoup de PV et donc ils tiennent moins bien les techniques que moi. Ah, 40%. Se matérialise, ouais. Vous résistez encore. Et ouais. Sombrez. Il est là. Il est d'aller ici. Retrouvez-moi, champion, et je vous accorderai la vision. Hop là. Donc là, on a eu de la chance. Illidan, il est venu se poser carrément sur nous. Et là, voilà. Illidan nous donne la vision pour défoncer les ombres. Parce que sinon, on peut pas les DPS. Et même au niveau des soins, si on n'a pas la vision, on peut pas prendre de soins. Ah, mais vite, il faut retourner auprès d'Illidan. Hop là. Hop, allez. Ça peut passer. Ça peut passer. Hop, il en reste deux. Il en reste... Ouais, deux. Hop. Il me faut la vision. Merci, Illidan. Le dernier. Vous avez survécu. Oui. Peu importe. Contemplez nos merveilles mortelles et abandonnez tout espoir. Découvrez le monde qui sera mort. Ah, où? Capitulez. Laissez les ténèbres vous emporter. Oh, qu'est-ce que... Oh! Coucou Argus! Hop là, là on est arrivé. On a terminé le voyage. On est vraiment dans le néant distordu là et on est juste... En orbite autour d'Argus, là. Ah, il y a les piliers qui ont pop. Là-bas, il y a une faille qui va s'ouvrir. Allez! Oulou! Hop là! Ça a explosé. Ça explose toujours en croix, donc il faut pas être sur les trajectoires. Et surtout, ne pas être près du bord. Ah, mais ça y est. Oulala, il y a la faille qui nous attire. Allez! On peut le faire. Bon là malheureusement on n'a pas de PNJ qui vient nous aider. Les PNJ sont en train de défoncer des mobs qui sont en train de spawn. Ils sont en train de nous faire gagner du temps. Ah oulala. Faut peut-être res un tank. Ah non ça va, il y a un DH qui tank. Et puis il n'y a plus de res là. On peut le faire. Il reste 1 minute 50 avant l'orage. Ah,
Ténèbres des mille âmes, c'est justement là où il faut... Où il faut se cacher, hop là. Faut se mettre dans le rayon là. Pour que justement, les âmes qu'il nous envoie soient emportées dans le... Dans la faille. Sinon, ça nous fait monter en stack le truc. Ah, et... Hop là, il ouvre une autre faille. On va y arriver! Il va y avoir une cinématique! Feu de la volonté! Hop là, je me mets bien entre les deux obélisques pour pas me faire bump. Et... Hop là! Ouf! Ah, il y a quelqu'un qui est mort. On va y arriver! Une minute avant l'orage! 8%! On va défoncer! Kill Jaiden! Enfin! Ouh là là, il y a des gens qui meurent petit à petit, ça c'est pas cool. Ah! ! 4%! Il va falloir que j'enlève la caméra. Hop, 3%. Pourquoi il a du mal à... Oh, ouf, ouf, ouf. 30 secondes. Oh putain, oh putain, oh putain. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. 2%, j'enlève la caméra. Hop. Allez! Je contrôle un pouvoir destructeur sans limite. Voilà! Yes! Nos destins ne font plus qu'un. Argus sera votre tombeau. Oh oh! Au moins nous serons morts au combat. Notre combat n'est pas encore fini. Pas tant que nous avons la clé de tous les mondes. Oui, la clé Sargérite. Dengar, sortez-nous d'ici. J'ai toujours été jaloux de toi, de ton don, de ta foi, de ta vision. Je ne voulais pas croire que Sargeras puisse être vaincu. Mais peut-être qu'un jour tu prouveras que j'avais tort. Venez tous! Soyez prêts! Ouh! Ah, on arrive à Asuna. Tout le monde va bien? Oh! Mais qu'avez-vous fait? Parfois, il faut savoir forcer le cours du destin. Et voilà! Voilà pourquoi il y avait justement Argus dans le ciel. Peu après que la 7.2 avait... Enfin, un peu après justement que la tombe était sortie, ceux qui avaient vaincu Kill Jaiden, ils pouvaient voir Argus dans le ciel. Bon, là, malheureusement, vu qu'ils ont enlevé... Ah. Je n'aurais jamais cru fouler à nouveau ce monde. Ok, merci tel quel. Bon, là, vu qu'ils ont enlevé Argus du ciel, voilà quoi. On a juste le truc de fin après Antorus. Mais normalement, là, il est censé y avoir Argus. Attendez, on va essayer de mettre le truc comme s'il y avait Argus. Hop, hop, voilà. Imaginons, là, il y a justement Argus. Voilà. D'ailleurs, on pouvait justement avoir ce filtre. C'est justement avec l'appareil photo profil. Vous pouvez avoir ce filtre, vous pouvez avoir Argus derrière, il suffit de prendre un selfie avec Argus, justement. Mais voilà, là, normalement,
Après ça, c'est là que vous avez Argus dans le ciel. Hop, on a eu quoi? Ok, on n'a rien eu. Alors, que dit Khadgar? Il y a beaucoup à apprendre en ce monde. La clé Sargérite a déchiré le tissu de la réalité. Nous devons à présent combattre les armées de la Légion sur ses propres terres. Turalion est là, quelque part. Aleria aussi, je l'espère. Nous devons retrouver mes vieux amis et rallier l'armée de la Lumière à notre combat. Peut-être alors l'emporterons-nous. Revenez en un seul morceau. Ouais. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. J'ai toujours su que je reverrais Argus un jour. Mes visions me l'ont révélé à maintes reprises. Pourtant, j'étais loin de m'imaginer une chose pareille. Il ne fait aucun doute que le destin de nos mondes sont intimement liés. Parviendrons-nous à sauver Argus, ou faudra-t-il le sacrifier pour arrêter Sargeras? Sur ce point, mes visions laissent l'incertitude. Il semble que nous devions forger notre propre destinée. Puisse la lumière nous venir en aide, les Rastragos. Ok, et Illidan. Argus, trône de la Légion Ardente. Grâce à ses machines infernales, Sargeras dispose d'effectifs illimités. Il est grand temps de priver le Titan Noir de son trophée. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Assiéger Argus et soumettre la Légion. Ok. Oh ben voilà. Et encore une fois, on a le collier de Kil'jaeden en termes de coffre de loot. On avait déjà ça au Puits du Soleil, et ben là, on a de nouveau ça. Ok. Et donc, ben, c'est à partir de là que on commence à faire la campagne pour Argus. Velen qui nous dit qu'ils ont créé un vaisseau pour nous permettre d'y aller. Et ensuite, voilà, c'est la 7.3. On va sur Argus et il se passe les choses. Les choses qu'on verra, que je vous avais montré dans le live stream d'Antorus, mais que c'était tellement pourrave niveau qualité qu'en fait vous avez rien vu. Donc c'est pour ça qu'on fera le LFR d'Antorus après. Hop, qu'est-ce qu'on a à savoir sur la chute du trompeur? Dans les profondeurs de la tombe, Kil'jaeden semble enfin piégé. Ou alors c'est ce qu'il tente de nous faire croire. Ok. Bon là encore une fois avant de lire tout ce qu'il y a à savoir sur la tombe de Sargeras, on va d'abord regarder certains trucs que disent justement les PNJ qu'on n'a pas vu. Déjà attendez, au niveau justement, bon il n'y a pas de map à cet endroit, mais il y a des maps que je vous ai pas montré. Sanctum du gardien par exemple, hop, là où il y a justement la damoiselle de vigilance. Quand on descend, on a la chambre de l'avatar. On a également la brèche de Gangrorage quand il nous fait descendre en bas, avec justement le portail vers le néant distordu qui avait été ouvert par Gul'dan. Et en prenant le portail, hop, voilà là où on était, le néant distordu. Ok, donc là, hop, page internet, les choses qu'on avait loupées, hop, je vais vous afficher ça, voilà. Donc là, c'est justement quand on entre dans la tombe de Sargeras, je vous avais dit qu'il y avait une cinématique pour voir Goroth qui arrive, mais juste avant ça, normalement, il y a Khadgar qui nous dit, dépêchez-vous, renforcez nos rangs, nous devons faire une percée. Illidan qui dit « N'en laissez aucun survivant, si nous échouons, Azeroth brûlera. » Et là, il y a justement, dans le fond, on voit justement Atrigan, qui fait partie justement de l'inquisition démoniaque qu'on a affrontée, qui dit « Oui, venez, vos corps serviront de carburant pour les flammes de ce monde. » Ensuite, il y a justement la cinématique où Atrigan finit son rituel, il y a Goroth qui arrive, Khadgar qui dit « Attention !» Et là, justement, ça, le reste, on a eu. Normalement, justement, quand on défonce Goroth, hop, il se passe autre chose. Hop, je vais vous montrer ça. Hop. Hop, voilà. Donc là, c'est les screenshots que j'avais pris le soir où la tombe avait commencé. Illidan qui fait l'écho de la gardienne à Egwene apparaît, tout comme dans la cathédrale. Hop.
J'ai scellé chaque niveau de ce temple afin qu'aucun envahisseur ne puisse s'enfoncer dans ses profondeurs. Je n'aurais jamais imaginé que la Légion trouverait une faille pour s'introduire en son cœur. Ça justement, on a réussi à choper les textes. Mes protections vous barrent le passage. Chaque saut ne peut être ouvert qu'à l'aide de l'un des piliers de la création. Soyez prudents, les démons feront tout pour vous empêcher d'avancer. L'un des maîtres de la Légion tente de ranimer l'avatar de Sargeras. Je le sens. Si Kilja Eden parvient à l'imprégner du pouvoir du titan noir, je crains qu'aucune force ne soit capable d'arrêter cette enveloppe. Alors nous n'avons pas un instant à perdre. Héros, vous pouvez y aller. Utilisez les piliers de la création pour désactiver les protections d'Aegwin avant que la Légion ne s'empare de l'avatar. Hop, il y avait justement également la quête pour obtenir l'accès direct pour la Damoiselle de Vigilance. Après que nous avons condamné la tombe, j'ai confié la dernière pièce de la prison de Sargeras à la Damoiselle de Vigilance. L'avoir en votre possession vous aurait permis de vous déplacer librement à l'intérieur, mais j'ignore ce qui est devenu la gardienne, je crains le pire. Ok. Là justement, c'est quand on va vers l'Inquisition. Hop, fais voir s'il y a des trucs. Hop, l'Inquisition. Non, justement là on avait eu tout ce qui se disait. Avec également Aegwin qui parle quand on met le marteau. Hop. Ensuite. Ouais, là c'est justement quand ils sont en train de parler. Hop. Là on allait vers Arjatan. Avec Illidan qui disait son truc quand il est venu récupérer quand il est venu récupérer l'œil de Sargeras. La maîtresse Azine, elle nous accueille dans la grotte, elle nous dit « Ces imbéciles nous apportent la pierre des marées, exactement comme notre reine l'avait prédit. » Hop, « Tuez les intrus, reprenez ce qui nous appartient. » Et là, bon, j'ai pas pris ce qu'il y a ensuite, mais quand on défonce les Hades, elle dit « Imbécile, vous osez décevoir notre reine ?» Et une fois que tous les Hades sont morts, elle dit « Arjatan réduit leurs os en poussière. » Et Arjatan qui fait « Écraser maintenant !» Hop. Ouais, justement. Et après, la maîtresse Azine dit « Tais-toi, imbécile, tue-les !» Et ensuite, là où justement on poule Arjatan, il n'y a rien d'autre qui se dit après. Ensuite, on va vers la maîtresse Azine, là on a eu tout ce qu'elle dit également. Également ce que Talkiel nous disait. Donc là ça va. Hop, au niveau des screenshots, je regarde également. Hop. Tuque. Ah, là, c'est justement quand on passe par l'autre chemin pour aller aux Sœurs de la Lune. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs chemins. Et ici, on a justement Illidan qui dit « Une éternité a passé depuis ma dernière visite. J'ai fait ce qui devait être fait, même s'il m'en a beaucoup coûté. Hop, restez sur vos gardes. » Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. « Restez sur vos gardes. Je doute que les esprits prisonniers ici soient amicaux, ni même cléments. » Ouais, parce qu'il y a c'est que justement, quand Illidan il était venu dans la tombe de Sargeras pour récupérer l'œil de Sargeras, qui allait lui servir ensuite pour essayer de défoncer le trône de glace. Il me semble que ça lui servait à ça. Dans le lore de... Dans mes vidéos du lore, je vous ai expliqué justement ce que Illidan voulait faire contre le roi Lich. Illidan est venu justement ici pour récupérer l'artefact, sauf qu'il était poursuivi par Maiev Chantelombre et d'autres gardiennes. Et au moment où justement Maiev avait coincé Illidan, Illidan a fait s'effondrer une partie de la tombe sur les gardiennes. Maiev a réussi à en réchapper, mais malheureusement, pas mal des gardiennes qui l'accompagnaient sont mortes sous les éboulis. Donc là voilà, il y a certainement ici des esprits des gardiennes que Illidan a défoncé. C'est pour ça qu'il dit que... Qui a fait ce qui devait être fait, mais bon, voilà. Donc là, on arrive justement aux Sœurs de la Lune. Les Sœurs de la Lune, hop, je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Apparemment, elles disent un truc quand on arrive vers elles. Il y a Kasparian qui dit « Mes sœurs, préparez-vous. » Il y a Tae qui dit « Mes flèches sont prêtes, Kasparian. Enfin, mes flèches sont toujours prêtes. »
et la prêtresse qui dit qu'ils doivent être purgés ou repoussés du temple sacré des lunes. Ouais, c'est vrai que ça, je l'ai jamais eu. Même quand justement les dialogues ne buguaient pas, ça je l'ai jamais eu. Aucune idée. Et là ensuite il n'y a rien d'autre justement à choper. Ensuite on arrive à Lot, désolé. Hop, faites voir sur les screenshots s'il y a des trucs. Non. Il n'y a rien à savoir en termes de screenshot. Par contre, justement, vu qu'il y a deux mondes, on peut choper soit ce que dit la reine des âmes Déjana, soit ce que dit Lot, désolé. La reine Déjana, quand on la tue, elle dit « J'aurais dû être plus forte. Dites à Tyrande que je suis désolé. » Ou alors elle dit « J'ai essayé de la résister, mais j'ai échoué. » Au moins maintenant je suis libre. Ou alors merci champion, je prie pour que vous puissiez purifier les ténèbres qui hantent ce temple. Et Lot, désolé, qui dit des trucs du genre le travail doit continuer, ou alors la machine s'estompe, ou un truc comme ça. Et c'est là où justement où on place les larmes des lunes. Hop. Ok. Ah, et là justement, quand on place tous les piliers de la création, je vous ai dit que Aegwin disait quelque chose. Les piliers de la création sont en place. Retournez à la cathédrale et je dévoilerai l'antique secret que renferme ce temple. Et quel est ce secret? Hop. Eh ben, elle nous le dit. Les elfes ont construit ce temple sur le site d'une ancienne puissance. Un caveau qui pourrait abriter la dépouille de mon ennemi. Mais avec l'aide de son disciple, le titan noir menace de revenir en ce monde plus fort qu'il ne l'a jamais été. Donc voilà, en fait, il y avait justement le caveau des titans avec la damoiselle de vigilance, tout ça. Il était déjà là à la base. Je sais pas par contre à quoi ça pouvait bien servir. Quelle utilité ça pouvait être, j'en sais rien du tout. C'est, en tout cas, ça devait être un truc contre l'empire noir des dieux très anciens, très certainement. Mais ce qu'il y a, c'est que les elfes de la nuit, quand ils ont commencé justement à développer leur civilisation il y a 10 000 ans, ils ont construit le temple des lunes sur le caveau. Est-ce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans le caveau? J'en sais rien du tout. Est-ce que ça a été un hasard si ça a été construit ici? J'en sais rien du tout. Mais ils ont fait ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à World of Warcraft et que je me suis intéressé au lore, jamais j'aurais imaginé qu'il y avait un caveau des titans sous la tombe de Sargeras. Je savais pas du tout. Nous mettrons un terme au plan de Kil'jaeden, Aegwin. Cette fois, nous n'échouerons pas. De belles paroles, Khadgar, mais pour gagner le courage ne suffira pas. Les armées de l'Alliance et de la Horde en avaient à revendre, jusqu'à ce qu'elles se fassent massacrer sur le rivage brisé. Le trompeur retournera vos peurs et vos doutes contre vous. Kil'jaeden a pourchassé mon peuple à travers l'espace, mais nous ne fuirons plus. Il paiera pour les atrocités qu'il a commises sur notre monde et pour mon fils. Vous avez raison, Illidan. Kil'jaeden et la Légion nous ont vaincus par le passé. Mais si nous les affrontons ensemble, Azeroth peut encore être sauvé. Je le sais. Hop, et là justement, on descend voir la damoiselle de vigilance, telle qu'elle qui nous dit « Pouah, cet endroit en peste les titans. » Fais voir du côté des trucs sur Internet. Hop. Lot, désolé, c'est bon. Apparemment, il y a des... Enfin, apparemment, il dit plusieurs trucs. Et apparemment, il y a des trucs inutilisés, ou alors qu'on peut peut-être entendre que si on met le jeu en anglais. Il y a Aegwin, par exemple, qui dit que ce n'était pas... Que Aegwin n'était pas la première à avoir placé des défenses dans le temple. Mais que justement les anciens gardiens qui étaient chargés de surveiller les lieux ont été corrompus. Après, je sais pas si c'est des trucs qu'elle dit par exemple en mode mythique. Parce qu'il y a certainement des trucs qui sont ajoutés en mode mythique. Peut-être qu'Aegwin, on la voit vraiment qui nous aide. Parce que là, elle dit des trucs. Mes protections persistent, je peux vous protéger. Ou alors le trou qu'il y a au milieu... il est protégé contre sa magie.
L'écho de ma puissance peut vous sauver. Mon écho vous a guidé jusqu'à aussi loin que possible, champion. Lorsque j'étais en vie, j'avais sur mes épaules trop de fardeaux que j'ai portés seul, et mon orgueil démesuré m'a coûté cher. Seulement en nous unissant, nous pouvons surpasser les ténèbres qui vous attendent plus bas. Adieu. Ok. Ah, et la damoiselle de vigilance qui apparemment dirait des trucs du genre pendant des millénaires, j'ai surveillé cet endroit, mais sa voix m'a appelé. Apparemment, il y a Vélen qui dit des trucs aussi du genre la lumière va vous restaurer. Ok, ouais, ça aussi, j'ai jamais entendu des trucs comme ça. Ensuite, on arrive justement à la damoiselle. Hop. Hop. Là, c'est quand on est en train de descendre. Là, justement, on avait chopé ce que disait Kil'jaeden, fort heureusement, où justement, il met de la puissance dans l'avatar. Et vous voyez justement qu'à côté de lui, il y a un autre assemblage titan, la damoiselle de vaillance, qui est corrompue. Hop, et ici justement, quand il nous fait tomber, on a eu là aussi les trucs qui se passaient. Donc ça c'est bien. Hop, je regarde si à ce niveau, il n'y a rien d'autre. Ok, non, ça va pour ça. Et justement, quand on arrive sur le vaisseau de Kil'jaeden, eh ben, il se dit des trucs. Hop, normalement justement je les avais chopés. Donc là justement c'est une partie de la cinématique quand on arrive sur le vaisseau de Kil'jaeden. Hop là on atterrit ici avec Khadgar et Illidan. Et on est prêt au combat justement. Il y a l'armée qui nous attend ici. Hop. Ah là justement j'avais envoyé un œil de Kilrog pour voir ce qui se passait entre Kil'jaeden et Vélen. Vous voyez qu'ils sont en train de s'affronter à coups de rayons, à coups de caméa de lumière et de gangrène. Et là justement c'est quand on arrive, il y a Vélen qui dit tu as traqué ton propre peuple, nous poursuivons à travers le cosmos, plus jamais ça. C'est toi qui as manqué de discernement. Tu as refusé d'admettre la vérité. La victoire de la Légion est inévitable. Tu as perdu foi en la lumière. Ensemble, nous aurions pu résister à Sargeras et sauver notre monde. La lumière a-t-elle sauvé ton fils? Est-ce la foi qui a brillé dans les yeux de Rakish lorsqu'ils se sont fermés pour la dernière fois? Ou bien était-ce la haine envers un père qui l'a abandonné? Et maintenant, c'est ta pseudo-rage qui condamne tes alliés. Regarde comment mon armée infinie va tous les massacrer. Non, tu ne nous diviseras pas, trompeur. Je combattrai à leur côté, et eux, du mien. Ensemble, nous mettrons fin à ta croisade. Et hop là, là justement, on arrive, et c'est là où on affronte Kil'jaeden. Et normalement, il n'y a rien d'autre. Je regarde... Hop là, voilà, et apparemment il y a d'autres trucs inutilisés, mais qui se disent certainement quand on fait Kil'jaeden en mode mythique. Je sais pas du tout ce qui se passe dedans. Je sais pas du tout ce qui se passe en mode mythique. S'il y a d'autres trucs qui se rajoutent ou quoi, il faudrait que je fasse un jour. Mais en tout cas, voilà, hop. Voilà donc pour la tombe de Sargeras. Ok. Donc, hop, je peux enlever ça. Et là maintenant, on va justement lire ce qui se dit pour chaque boss. Alors. C'est dans ce temple sacré des lunes qu'Aegwynn confina l'avatar vaincu de Sargeras. Elle espérait qu'il reposerait éternellement dans les profondeurs de la terre, mais les appâts du pouvoir n'ont jamais cessé d'attirer ici de sinistres entités. En pénétrant dans la tombe, Gul'dan a abattu les protections d'Aegwynn et ouvert une porte par laquelle s'est engouffrée la Légion. Aujourd'hui, les armées gangrénées se déchaînent dans le caveau, déterminées à reconquérir la puissance de leur maître. Alors, Goroth.
En expiation de ses échecs passés, Goroth a le corps sillonné de cuisantes blessures. Au moindre geste, ses plaies se rouvrent et lui infligent d'indicibles tourments. Un calvaire qu'il se fait un plaisir d'infliger à son tour à ses ennemis. Ok ? Je sais pas quels sont ses échecs passés, il me semble pas avoir entendu parler de Goroth avant. Donc s'il a subi des échecs, c'est pas par nous. Ensuite, il y a eu Arjatan. A été formé depuis sa naissance à démolir ses ennemis. Grâce à une conquête d'une brutalité féroce, il a rassemblé une foule de murlocs des grottes qui le considèrent comme un dieu. Désormais, les brutes Naga n'ont qu'à aboyer leurs ordres pour que des hordes de serviteurs dévoués s'attellent à la tâche. D'accord ? Maîtresse Sazin. A passé sa vie à soumettre les créatures des océans à sa funeste volonté. Forte d'une emprise considérable, elle a invoqué les cauchemars issus des profondeurs abyssales pour balayer quiconque ose lui résister. Hop, les modèles, on regarde s'il n'y a pas d'autres mobs. D'accord, là il peut y avoir des mobs comme ça. Ensuite, il y a eu l'inquisition démoniaque, donc Atrigan et Bellac. Conscient de l'incursion imminente des troupes mortelles dans la tombe de Sargeras, Kil'jaeden a mobilisé ses meilleurs geôliers, Atrigan et Bellac, pour mettre les importuns au fer et les empêcher de progresser dans le donjon à l'aide des piliers. Ok, ensuite il y a eu les Sœurs de la Lune, Kasparian, Yatae, Pyroluna et Sœurs de Lune. Ok. Les Sœurs de la Lune servaient comme gardiennes du temple bien avant que l'avatar de Sargeras ne soit enfoui dessous. Même après leur mort, elles ont continué leur veille, mais au fil des millénaires, quelque chose a corrompu leur capacité à distinguer les amis des ennemis. Leur folie les a lentement consumées, et désormais, quiconque pénètre dans leur salle sacrée est mis à mort. Ok. Ensuite, il y a eu Lot désolé. Donc voilà le moteur des âmes. Ça, c'est la reine des âmes Dejana, et... Lot désolé, voilà à quoi il ressemble quand il sort justement de la... du moteur des âmes. Il ressemble à ça. Cet ancien site funéraire sacré des elfes de la nuit a été corrompu par la Légion et son moteur des âmes. Cette machine impie puise dans l'énergie des morts et les transforme en abominations. Viciés par la corruption, les esprits tourmentés sont devenus des monstres avides de chair fraîche, tapis dans les profondeurs de la tombe. D'accord. Ensuite, il y a eu la damoiselle de vigilance, hop, comme ça, avec une partie gangrénée et une partie lumière. D'ailleurs, elle donne son marteau, mais là, il n'y est pas. On ne peut pas le voir là, et vu que je suis pas... vu que je peux pas porter de marteau, je peux pas vous montrer le skin, mais le marteau qu'elle a, vous pouvez le choper en transmo. Chargée par Aegwin de défendre la tombe de Sargeras, la damoiselle de vigilance monte la garde depuis des siècles. Mais la gardienne n'avait pas prévu l'effet que l'énergie gangrénée suintant de l'avatar aurait sur cet assemblage. Lentement corrompue par l'influence maléfique, la damoiselle cherche désormais à anéantir quiconque croise son chemin. Hop, voilà. Ensuite l'avatar déchu. Hop là. Avec la damoiselle de Vaillance, justement, donc elle aussi corrompue. Lorsqu'Aegwin vainquit l'avatar de Sargeras, elle ne parvint pas à le détruire complètement. L'armure en fut alors ensevelie sous le temple des lunes, où elle repose depuis des siècles. Aujourd'hui, à l'heure où la Légion s'efforce d'abattre les barrières de la tombe, Kil'jaeden est sur le point de ranimer l'armure pour en déchaîner le pouvoir sur Azeroth. L'épreuve commence avec l'avatar déchu, immobile, piégé dans une machine des titans, accompagné par la damoiselle de Vaillance, corrompue. Pendant l'assaut, l'avatar déchu tente de siphonner l'énergie des pylônes de confinement de la pièce. La damoiselle de Vaillance peut elle aussi absorber cette énergie en se positionnant de façon à en intercepter le flux. S'il atteint 100 points d'énergie, l'avatar déchu provoque un effondrement du sol qui rompt son immobilité et précipite les personnages joueurs dans la salle inférieure. Les membres du raid doivent alors vaincre l'avatar déchu au plus vite avant que rupture des réalités détruise complètement la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Hop là, vous avez justement ce qui se passe à partir du mode normal. Et enfin, Kil'jaeden. Hop là, il est là le petit.
Après avoir précipité l'exil des Draenei aux confins du cosmos, Kil'jaeden était persuadé que plus rien ne pourrait faire obstacle à la Légion. Pourtant, aucune de ses tromperies n'a pu vous empêcher d'atteindre cet instant décisif. Furieux que Sargeras n'ait pas tenu ses promesses de victoire, il s'apprête à vous affronter en personne dans un ultime combat qui déterminera à jamais le sort d'Azeroth. À bord du vaisseau de commandement de Kil'jaeden, les personnages joueurs affrontent le maître des lieux ainsi que les reflets ténébreux des âmes de leurs camarades sous son emprise. À 80% de points de vie, il prend son envol et inflige une série d'attaques dévastatrices à ses adversaires, après quoi il se jette à nouveau dans la mêlée avec une puissance accrue. À 40%, il plonge la plateforme dans l'ombre, ce qui limite le champ de vision des personnages joueurs. Puis, il invoque plusieurs âmes d'ombre. Les personnages joueurs doivent alors trouver Illidan dans l'obscurité pour bénéficier de sa clairvoyance, vaincre les âmes d'ombre et dissiper les ténèbres. Dès qu'ils échappent aux ténèbres, Kil'jaeden débarque sur Argus et déclenche son attaque suprême, Ténèbres des mille âmes. Les personnages joueurs doivent alors utiliser les failles qu'il ouvre pour absorber les projectiles mortels. Et voilà. Bon, je pourrais vous lire là aussi la vue d'ensemble pour tous les boss, mais voilà, c'est surtout pour les derniers boss que c'est intéressant. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, je vous l'ai dit, la campagne d'Argus commence, et avec, à la fin, Antorus, le trône ardent. Donc, ça sera le prochain LFR, et ensuite, on aura complètement terminé, justement, le contenu raid de Légion. Et là, pour Battle for Azeroth, comme je l'ai dit, mais c'est sûr qu'au début je pourrai, vu que je suis ici, vu que quand Battle for Azeroth sortira, je serai encore ici avec cette très bonne connexion, je pourrai vous proposer les premiers raids en live stream. Mais même si je fais pas en live stream, j'enregistrerai vraiment les raids dans la progression du contenu, hein, je ferai pas comme là sur Légion. J'attendrai pas là de devoir le faire en LFR à la fin de l'extension, mais voilà quoi. J'essaierai de mieux planifier le truc. Mais donc, dernier LFR, Antorus. Allez, merci les amis d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce que je fais. Encore merci d'être ici. Dans ces aventures où on défonce des personnages emblématiques de WoW et où on voit des superbes cinématiques. Il y en aura encore une à Antorus. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao !